Pour réclamer justice quoi. Parce que depuis que nous avons fait 25 jours, nous avons fait des affaires qui sont en train. Donc, il fallait nous gagner pour avoir l'autorité. Parce que nous avons fait des choses. Quelqu'un ne fait pas de choses. Donc, nous avons fait des autorités. Nous avons gagné pour réclamer justice. Parce que 25 jours, moi, l'enquête est déroulée. 25 jours. Tout à l'heure. Vraiment, nous avons réclamé justice. Parce qu'après 19 ans, justice, nous avons plus de justice pour qu'on puisse faire. Et aussi, la violence qui est aussi, l'agression, c'est une autorité qui est vraiment, moi, je suis quoi. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Voilà, chaque jour, nous avons fait des mais nous avons fait des enquêtes. On comprend. Parce que, quand vous avez mis des mais peut-être. Il y a une piscine, ça ne veut pas dire. Parce que nous savons que nous business, nous connaissons sa mentalité, donc nous allons avancer. Donc, nous avons concret pour voir. Même si nous avons l'air, nous allons nous expliquer. Parce que nous savons que nous avons des amis, nous avons des amis. Donc, nous ne voulons pas aller dans les détails. C'est ce que je veux dire. Mais nous réclamons justice, nous avons une autorité qui nous a dit l'air en Birmi pour qu'on puisse faire. Est-ce que vous avez des enquêteurs? Donc ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu da nga ko dafa yex quoi dafa yex man ci man mom vraiment man je souffre quoi parce que 25 jours dafa bari dama lool la japp quoi xawma nak ñom seen liguey numuy doxé xawmako mais est-ce que yeen ngi def ay jégo yo xamné dina tax mu baral mbir mi li ci la bok parce que moy lima comme ko dekk yoon lañu nek kenn do fajal sa bop da ngay wax ci autorité yi dégg la loolu ñu ci djublu ñun li pour autorité yi dégg ñu xamné amna lu ñu metti ñu jog ci ñu jog ci man d'accord na peine de mort parce que nit ko xala bu ndaw di liggéeyam yor ay domam ndaw ñi bongo ni après suñu jappé ñi wara japp peut-être né 10 ans 15 ans après mu gën di la rombu amul sens ñun suñu diiné loolu la wax ku ray ñu ray la loolu la wax. Donc, je suis d'accord, vraiment. Nous sommes tous les deux en train de faire des téléphones. Nous sommes tous les deux en train de faire des téléphones. Donc motax ñom lañuy xaar ñom lañuy dégglu vraiment wax deug yalla metti na ci xol dafa metti ci xol quoi il faut que li musa am nil suñu justice li dañu mësa régler ñoo fa soral dañu mësa régler li kenn musu ma ray ni drëcc té li 25 jours ñu amal bi ñi ngui bëgg nax sayal gaay di fata non dafa dess ci xol même do liggéey ci jamm dañuy dëgëru ni rek yeguñuko ñun yeguñuko sudé japp nañ ñun yeguñuko vraiment ñun la famille amon ngeen xel bu ñaaw ci appel bi mujjé am gannaaw téléphoneam tak dér tak nañ ci loxo lan lan tak seen loxo kan yi kiko mujjé wo wala xam ngeen ci dara yoy yépp nak mom la lay wax waxaguñu ci dara on ne sait rien dit ñom dal jël nañ téléphone yi ñaari téléphone yépp jël nañ ko mais waxaguñu dara ñun ñuy ni dañuy tok di xaar rek ñi ngi tok di xaar quartier bi sur ko la quartier bi ñepp genn ñepp tout monde affaire bi dañu metti ñepp la metti parce que dafa metti quoi ku ne dang koy nat rek ci ñun ñepp dañuy faatu mais ça di gënal ñu japp la 25 jours dafa bari si
voilà lolu quoi on réclame justice quoi nañu dimbali rek parce que lutax sax mu ñuat mais day woyofal de xol yi day woyof day woyofal xol parce que def li aussi mu na non kon ban rew lañu nek mais lu ne mel nak ñëkuleena dal yeen ndax amna jangala kat bo xamni ngi jessap Alain Kali ba tay ay dossieram gisagun ko amna tamit ben zone Jakarta bu dekk Thiali ay dossieram gisagun ko yene 3ème victime bi nga xamni yene ngi réclamer lu ne mel ci biir dekk bi ta day muju nax say rek ci li ñu bari di wax lolu seen jangat lan lay doon mo li ma la wax ni c'est la dirige so toge dañuy jégg classer dossier bi sans suite donc il faut que ñu dimbali ñu top mbir mi les téléphones sont lepp ñu fi nañ ko top ñi xam ki def ci suñ ko xamé taxul sax ñu suñu rak ñiwaat ak yoyu ma moy lima la wax day woyofal xol ñepp dëndu wat seen yité parce que moy ñepp comme lima la wax rek ñeppay faatu peut-être il faut heure mom jotone mu dem mais defin bi mo ñaaw donc il faut que li mu lèr quoi vraiment mu lèr ñepp tranquille ses amis sa famille xam nga dafa metti dal metti na trop vraiment ñu ngi yuxu pour ñu ñi ngi yuxu dal pour ñu dégg ñu dimbali ñu vraiment c'est ça wadjo kaddu gu mujju bo baak légui enquêteur ñu ngi ñew ci kër gi wala bu dañu waaw ñu nañ fi def seen audition vraiment wax deug yalla ma nga leen di wo aussi ñu ngi déggante waaw mais vraiment waxaguñ ma dara fofu dal la toll wadjo kaddu gu mujju gi ma di sante ñepp di gërem ñepp xolam bir mi ni li lay woyofal nak xolal jamm ngeen gep ñu gën donc il faut nit ñi la won nitu ñepp la won xol xalé mat ñepp ñu bëgg ni xol ko wax mu le sama mbiri bop la vraiment sante nañ ñepp yeen aussi di lañ sante depuis bop bo légui tamit yeen ngi jallalé wat la ñu ngi nuyu mbokk wa Thiès di nuyu mbokk wa Sénégal ñun ñoo gënon tay ñun wa jamm gën def doxum ñaxtu ndax dañ fa am kenn ku bok ci ñun di suñu dom di suñu jërbaat di suñu rak ñu boomon ko fi le 30 septembre passé ndax Jakarta la yoron ci daan dolem ci yor njabotam mu xey 3h du matin lañ ko jëlé fi ci lañ ko bëjë gis on a retrouvé le corps fa la ci alum kañ ñun nak bobat légui ñu ngi xaar yoon def ligéyam lolo gëna tax tay ñu nañu genn moromam yi mbokam yi xaritam yi ñepp genn ñu and def doxum ñaxtu pour que au moins yoon def ligéyam ci mbir mi mu gëna leef nu mu gëna gaawé ndax lolu bok na ci li nga xamantene moy dalal xel ay wajuram benen bi ci dess dañu genn ñaxtu parce que violence bi xew ci bir Thiès dafa ëpp doolé fan yé passé lu melni amon na fi li amat fi ñu né nañu genn pour ne jamais plus ça li dafa wara jeex ci dekkum Thiès voilà donc nous avons organisé cette marche aujourd'hui mala nga ñëw ci France ndax xam ngeen colté ci nga xam ñor ligéy bi ndax mbir mi dina soti leen non am nañ ci yaakar bu baaxa baax ndax suñu justice xam nañ ne justice bu am katan la bu xarañ la te xam nañ également fi ñu war a jaar pour ñi nga xamante ñoo boom Abi Mbaye ñu koy wooyee hippo fii ci ñun ñu mën ko mën leen a jàpp jël na yoon def liggéeyam daal ñun li ñu bëgg d'abord affaire bi na leer ñi ko def nañ leen jàpp am nañ ci yaakaar ci suñu justice donc li ñu def c' est juste pour ñu gën leen a ñaax parce que affaire bi métti na te lu gis la également ci ay waajuram ndax nu mu leeré rek mbir mi gën a woyof ci ñun donc loolu moo waraloon ñaxtu bi allez-y en français voilà donc le 30 septembre passé un de nos leurs il s'agit de monsieur Abib Mbaye dit Hippo qui est notre jeune frère notre neveu à tous qui habite ici le quartier Diamagen il a été sauvagement assassiné alors qu'il conduisait son Jakarta à partir de 3h du matin c'était l'heure pendant laquelle on l'a vu dernièrement ici dans le quartier et on l'a retrouvé mort à hauteur de Alum Kañ. Nous avons décidé aujourd'hui d'organiser cette marche. C'est pour au moins d'abord interpeller les autorités à ce que la lumière soit faite sur ce crime odieux, à ce que la justice soit rendue pour que les parents de la victime puissent au moins avoir l'esprit tranquille. L'autre élément, c'est que dernièrement à Thiès, on a constaté une recrudescence de la violence, beaucoup d'agressions, beaucoup d'actes barbares allant jusqu'à prendre des vies d'êtres humains. Nous avons organisé donc cette marche pacifique. C'est pour demander d'abord que la lumière soit faite sur le crime odieux qui a été posé sur notre frère Hippo, appelé Abib Mbaye, mais également que la justice puisse faire son travail, mais que Thiès également reprenne une vie en sécurité. Il faut que la sécurité règne, parce que les jeunes conducteurs de Jakarta, ce sont des citoyens, ils s'organisent, ils s'investissent pour la vie et également prendre en charge leur famille.
Donc, c'est pour cela que nous avons demandé aujourd'hui à organiser cette marche, à mobiliser les populations de Diamaguen. Merci beaucoup. Une enquête a été ouverte. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, consulté la justice ou quoi, où est-ce qu'on en est avec le dossier? Non, jusqu'à présent, on sent qu'il y a une évolution du dossier. Les enquêteurs ont été déjà dans le quartier et ils continuent toujours également d'y être. Mais naturellement, il fallait qu'on sorte pour manifester encore notre douleur, mais également pour demander à ce que la lumière soit faite le plus rapidement possible sur cette affaire. Parce que autant que ça dure, autant également la souffrance également s'agrandit du côté de ses parents. Okay. Okay.